Salut tout le monde, c'est Anna. Qui d'entre vous a déjà vécu un sentiment de frustration avec son cheval? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à la fin d'une séance ou pendant une séance, de vous sentir vraiment frustré, d'essayer mais de ne pas y arriver, ou de demander quelque chose au cheval mais que... Ah non, ça marche pas, il vous le donne pas, il veut pas, vous avez l'impression qu'il est contre vous, vous avez l'impression d'essayer, de faire bien, mais ça fonctionne pas. Et ça, c'est lourd, quoi. C'est pas facile à vivre, c'est pas facile à gérer, parce que, en plus, dans ce moment-là, on s'entête, on s'obstine, et puis ça marche toujours pas. Donc, finalement... ça peut même aller dans de la colère, ça peut même aller dans de la violence. Moi, ça m'est déjà arrivé du coup de sentir de la violence en moi parce que j'y arrivais pas, quoi. Et puis que ça m'énervait, et puis du coup, voilà, on peut s'énerver, on peut devenir violent, ou alors on peut se durcir. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut faire suite à cette frustration qu'on ressent souvent à cheval. Souvent, les chevaux peuvent nous mettre dans un état de frustration comme ça. En tout cas, moi si je vous en parle aujourd'hui comme ça, c'est que je l'ai vécu. Je l'ai vécu plein de fois. Et je dirais que maintenant que je comprends ce qui est derrière la frustration, je peux m'en détacher facilement et c'est beaucoup plus facile à vivre. Mais avant, c'était d'une difficulté énorme parce que après, ça me tournait dans la tête et puis si je m'étais énervée contre le cheval ou si je m'étais durcie avec lui, j'avais essayé de le contraindre ou de forcer les choses, je m'en voulais. Après, je me sentais coupable, j'avais honte de moi. Donc c'était vraiment très très difficile à gérer. Et donc voilà, j'aimerais bien partager avec vous déjà la cause de cette frustration. Et puis ensuite, trois petites clés pour que vous puissiez vous aussi vous détacher de ça. Pour que vous puissiez aussi lâcher le truc et puis passer à autre chose. Voilà. Pas rester dedans, pas rentrer dans un sentiment de culpabilité, pouvoir vraiment lâcher la chose et puis continuer dans votre idéal, dans l'idéal que vous voulez avoir comme relation avec le cheval, dans de la coopération, dans de la motivation, dans de la joie, dans de l'harmonie, dans de l'épanouissement. Au lieu de vous prendre la tête et de rentrer dans un mécanisme d'énervement, voire de violence. Donc la cause de la frustration, en fait, elle est toute simple. C'est les attentes qu'on a. Alors c'est des attentes généralement qui sont inconscientes, parce que on réagit à la frustration. Mais... Quand on s'observe, quand on regarde ce qu'il y a derrière, c'est toujours une attente envers la vie. On se dit, j'ai vécu ça hier, donc ça devrait être pareil aujourd'hui, c'est une attente. Quand on se dit, le cheval, il devrait connaître ça, voilà. Donc c'est encore une attente qu'on a envers lui, ou alors une attente envers nous. Je devrais être capable de faire ça, ou je l'ai fait hier, donc je vais pouvoir le faire aujourd'hui. Mais non, la vie, c'est pas du tout ça. La vie, elle est comme elle est, et c'est tout le temps changeant. Donc à chaque fois qu'on a une attente, il y a des chances pour qu'on puisse être frustré derrière. Et la deuxième partie de la chose vis-à-vis de la frustration, c'est tout simplement que quand on commence à se sentir frustré, c'est-à-dire quand on a une attente et qu'elle n'est pas remplie, cette attente, elle n'est pas comblée. Généralement, au lieu de chercher du nouveau, de chercher... comment on pourrait faire autrement, on s'entête. On s'entête, et on s'entête, et on s'entête. Et ça finit généralement très mal. Pour nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, ou vis-à-vis du cheval, vis-à-vis de tout, en fait. Parce qu'on en fait, on résiste à ce qui est là. Et donc, ça devient de pire en pire. On bloque l'énergie, en fait, et ça devient de pire en pire. Alors, comment faire, maintenant? Comment faire face à ça? Grande question. Pour moi, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. C'est pouvoir s'observer, mais s'observer de manière vraiment neutre, comme si c'était une caméra qui vous observait ou quelqu'un d'autre qui n'a aucun jugement. Surtout pas se juger, bien sûr. Donc s'observer de manière neutre, prendre conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Je suis en train de réagir, ouais, je suis en train... Qu'est-ce que j'attends derrière? Quelle est mon attente qui est derrière cette frustration? Et là, wow, là, je suis en train de... Là, je suis en train de réagir. Là, je suis en train de forcer le truc, d'essayer de forcer le truc. Donc, c'est vraiment prendre conscience, faire pause. Faire pause dans le truc et prendre conscience. La deuxième clé, c'est vraiment de pouvoir prendre... de pouvoir comprendre qu'en fait, ça vient bien de nous. C'est nos attentes à nous. Donc vraiment prendre la responsabilité de ça. Si le cheval, il ne veut pas faire ce qu'on veut, et qu'on s'entête, et que ça ne va pas, et prendre la responsabilité de ça, en se disant, bah, moi, je ne suis pas claire avec ce que je lui demande, ou je lui demande peut-être quelque chose qui ne lui convient pas. Aujourd'hui, il n'est pas dans une bonne forme, ou aujourd'hui, c'est moi qui ne suis pas bien. C'est moi qui n'arrive pas à m'exprimer, c'est moi qui ne suis pas cohérente. Ça peut être les deux, et ça peut être les deux ensemble, souvent c'est le cas. Mais en tout cas, prendre la responsabilité, on est responsable du truc. On est responsable du truc. Donc vraiment prendre le recul avec l'observation, puis ensuite se dire, ok, c'est moi qui suis responsable, maintenant je veux aller où? Je veux faire quoi avec l'animal? Je veux être dans une relation harmonieuse, épanouissante? Je veux qu'on coopère? Ou j'ai envie de me battre avec? Parce que si je continue dans cette voie, c'est ça qui va arriver. Et la troisième clé, c'est de pouvoir rigoler de ça. De pouvoir rire de nous-mêmes, de faire de l'autodérision, de... C'est pas grave! Il n'y a rien qui est grave là, en fait. On a une attente, et alors? On peut en rire de notre attente. Simplement, imaginons que vous vous disiez, bah hier le cheval il faisait ça, et aujourd'hui il le fait pas. Ok, j'ai une attente, j'avais une attente qu'il fasse la même chose qu'hier. Ok, bon, c'est complètement ridicule parce qu'à chaque instant on est différent. Donc je vais faire avec ce que j'ai là, sur le moment. Juste se dire, waouh, c'est ok, je me marre, et c'est... Et c'est sympa. Et l'idée, c'est quoi derrière? Qu'est-ce que j'avais envie comme idée à la base? Ben, j'avais envie de m'amuser avec le cheval. J'avais envie de me faire plaisir. Ok, ben, je vais aller vers ça. Qu'est-ce que je peux faire avec le cheval pour me faire plaisir? Tout de suite, là, maintenant, étant donné de ce qui se passe. Peut-être qu'il faut que je descende et qu'on joue un peu ensemble à pied. Peut-être qu'il faut que j'aille le faire brouter. Peut-être que je dois reprendre un autre exercice qui est beaucoup plus simple. Je sais pas. C'est vous, c'est votre créativité, c'est votre inspiration sur le moment. Voilà pour mes trois petites clés pour pouvoir gérer la frustration. Moi, elles m'aident beaucoup. Elles aident aussi de nombreuses personnes que je connais. Et j'espère qu'elles vont vous aider aussi. Si vous connaissez des gens que cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à partager ce contenu, bien sûr. Et j'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo. Dites-moi comment vous vivez la frustration avec votre cheval. Dites-moi comment vous la gérez. Racontez-moi, ça me passionne. Voilà, mais sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à très vite. Bye!